Bonjour, frère Moyo, Axel Moyo, qui a regardé là. Non, pas moi, c'est mon désir junior. Moi, c'est. Moi, fait philo. Donc, dans le lycée Louis Joseph Janvier. Moi, je suis étudiant en diplomatie. Et nous recevons formation en psychologie, en psychosociale. Il y a des formations en technique. Technique des sciences informatiques, nous sommes un semi-ingénieur en informatique. Et ensuite, nous avons l'autre formation que nous recevons dans des éléments, dans des domaines professionnels tels que les techniciens en installation sanitaire, etc. Ok, est-ce que junior, madame, est-ce que des petits tout ça? Exactement, nous c'est un père complet de famille. C'est-à-dire que nous avons madame, nous avons petite. Et mis à part de madame et petite que nous avons des familles que nous sommes capables de dire sur le plan culturel que nous avons des familles élargies. Et que qui sous compte nous, qui sous responsabilité. Voilà, il y a un peu. Ok, en fait, on dit que vous avez madame et petite, et puis au Kokobe, il y a des gens qui peut-être posé cette question. Est-ce que vous avez madame et petite pendant Kokobe, ou bien c'est avant ça, ou bien est-ce que et junior, c'est un monde qui fait à mobilité? Ok, nous, pas de fête et avec mobilité réduite, ou bien handicapé. Nous venons handicapés par un accident congénital. Nous disons accident congénital, c'est parce que c'est au cours de. Pendant qu'on a grandi, on dit comme ça, et puis nous venons frappés par des maladies que nous connaissons que ce nom aujourd'hui, comme typhoïde, polio, etc. Mais nous disons congénital, c'est parce que tu as un problème au niveau de maman, ma papa, moi, selon ça que ma papa prend de papa avec maman, moi. Donc, distorsion familiale. Et puis que nous venons de devenir handicapés aujourd'hui. Donc, en gros, c'est la fièvre typhoïde qui commence. Oui, la fièvre typhoïde avec polio, mélite, et selon ça que nous avons appris. Et d'autres sources que nous avons plus ou moins fait confiance, nous avons fait nous croire que des éléments surnaturels ont rentré dans le bagage. Bon, ce que nous n'avons pas confirmé jusqu'à maintenant. Et ça veut dire que c'est pendant. Et pendant que nous frappons d'handicap, oui, mobilité réduite, nous venons gagner madame. Et puis nous venons former famille. Il faut surtout former famille en Haïti. Et pendant que nous handicapons, c'est vraiment difficile. C'est difficile en pile, son situation. Donc on dirait que même, on est capable de rencontrer l'enfer en Haïti. Donc ce n'est pas aussi facile. Et stigmatisé en pile. Et est-ce que madame ou le coco bétou? Non, madame, moi, elle est en forme. Malheureusement, elle devrait être là. Elle est empêchée, si mon mari n'est pas là. Alors, si mon pas là, elle est de là, mais elle a un grand empêchement. Ok. Combien de petits gars? Et moi, j'ai un petit garçon. Et plus que je suis en train de faire adoption, l'autre. Quel âge lui? Et mon petit petit qui est pour le premier petit, moi, 4 ans. Donc, moi, alors, faut me dire ça, moi, j'ai 29 ans. Je me dis, il y a 24 ans, faut me dire, comme un petit détail. Ok. Et, on dit, vous avez 29 ans, vous parlez de l'ampile capacité qu'on gagne. Exactement. Et, il faut qu'on travaille de façon à ce qu'on est capable de suivre. Et ensuite, montez bien que vous avez petit, vous avez madame, il faut qu'on voit si vous dans l'école, à 4 ans, certainement. Parce que lui, à l'école, et faut que madame mange, faut que lui boive, ouais, faut que des maladies. Justement, il faut qu'elle paye, mais comment junior vivre? Quelle question, et me c'est une question qui, non seulement de grande importance et de grande importance, mais d'extrême importance, mais c'est une question également qui est fondamentale. Faut nous dire que la vie de mon handicapé dans le pays d'Haïti, c'est un bagage qui est facile, tout. Et. Mais même par exemple, hein, personnellement, la vie PAM n'est pas facile.
Et certaines fois, qu'on a posé cette question et même qu'on même tenté la providence de Dieu pour me demander est-ce que c'est pour une erreur que le fait. Dès que premièrement, le fait frappé d'handicap et deuxièmement, c'est en Haïti que me frappé d'handicap. Donc, on imagine que ou à l'école, mal l'école, laisser ça l'état madame, me fait lit, me casser non moins, si au bout on l'aide, moi plus ou moins qu'à identifier que l'aide ça, s'il pas un intérêt, qu'à refuter. Premièrement, deuxièmement, l'état m'a dit que forme font études supérieures, me fait lit, société m'a dit ça, et voilà que après tout ça, comme récompense que me subit, que me joigne, c'est un refus. Donc malhonnête par le fait que me frappe d'handicap après avoir tenté justement d'aller chercher un job dans l'institution. Donc monsieur, oui, nous avons qualification mais malheureusement par le fait qu'on handicapé nous pas capable. Donc c'est première déception. Deuxième déception moins malgré que me t'ai tenté les dans l'institution privée, m'aller auprès des institutions de l'État. Après avoir soumis mon CV, ça nous est le curriculum vitae, etc. Mon cher, monsieur, on l'a déception encore. Monsieur ne comprend, mais malheureusement, nous n'avons pas gagné un job pour vous ici, ou bien pas gagné un travail pour vous ici. Mais qui s'est passé par le fait que vous frappez de handicap, vous frappez de mobilité? Ça arrive plusieurs fois. Et le pire, c'est que j'ai des confrères également qui ont été victimes de cette même tendance, de cette même stigmate, mais également qui victimes jusqu'à maintenant. Attendez bien, oui. Qui ont été victimes, mais qui sont victimes jusqu'à maintenant. Les victimes, qui ont été victimes par le fait que dans un premier temps, il n'y a pas de bon papier filon, il n'y a pas d'aller à l'école. Il y a l'école, il y a bourré tête, il y a donc capacité dextérité éducative et philosophique. Et comme échec, comme ça a récompensé, c'est Samson Diolala, monsieur ne peut pas comprendre parce qu'on est handicapé, monsieur ne peut pas comprendre parce qu'on est aveugle, monsieur parce que ne peut pas comprendre parce qu'on est en seul pied, monsieur ne peut pas comprendre parce que la capacité de déplacement est difficile, est impossible, etc. Est-ce que le travail ça a que Junior Talmabia, c'est le travail qui a un rapport avec physique, comme quoi fait physique, ou bien c'est le travail intellectuel? Si c'est le travail intellectuel, bon, plus que c'était que il était dit ok parce que dans cerveau qu'on dit présenter, il était dit ou correct, sinon que ou handicapé ou pas capable. Est-ce que c'est de, comme si demande comme pour le travail de façon intellectuelle ou bien c'est pour bagaille physique? Lorsque il a fait un job, il faut un job là, il faut un profil job là, il faut un profil travail là, c'est pas vrai? Et puis il dit mais qui chante, mais qui dans le domaine qu'on va intervenir, va bien pour évoluer, non? Travail là. Pas oublier que nous, si que nous dit que nous c'est, alors moi-même je suis handicapé, bon frappé de handicap, entendu. Bon Dieu, bon petite capacité, ça m'a fait identification, ça y est, m'a fait parallélisme, ça y est. Mon cher, travail c'est des travail justement nous capables de faire. Je me songe que nous t'es, moi-même personnellement t'es contacté en job, c'était dans l'IDH. Tout ce qu'on est, je te demande moi en termes d'aspect philosophique. Comprenez bien, oui? Je fais tout. Malheureusement, monsieur échec. Et c'est des travails, c'est des fonctions, c'est des tâches que non seulement des qualifications pour eux-mêmes, non seulement des expériences pour eux-mêmes, mais le bon côté, c'est que je suis qualifié. Je suis capable de faire. Comprenez bien? Je suis capable de faire. Malheureusement, moi, pas jeune. Et le pire, c'est que les gens qui sont jeunes ne sont pas qualifiés par ces mêmes. Par contre, si vous comprenez ce que je dis, ils ne sont pas plus formés par ces mêmes. Ils ne sont pas plus éduqués par ces mêmes. Peut-être qu'il y a l'autre bagaille qui puisse passer. Vous comprenez bien ça, Mme Dola, oui. Et la capacité de déplacement, ça, c'est beaucoup de problèmes dans ça. Mais quand il y a leur compte. Et alors, bon, m'ajouter ça, excusez. C'est que l'homme finit sur l'échec là, me dit bon, il doit juger que gon bagay, gon question te pose mal répondre. Et me voyait des frères, des confrères handicapés, bourrés de potentiel et qui plus potentialisé parce que. Et comme échec, j'en me dis tout à l'heure là, c'est non, monsieur, il n'est pas capable, etc.
Oui, en attendant que Confia vienne avec question qu'elle gagne, nous avons demandé leur côté entre administration publique ou privée, combien comme ces institutions qui ont contacté pour travailler déjà, malheureusement, qui refusent pour handicap ça ou quoi parler là. Des UIDH et j'ai contacté Affaires sociales, j'ai contacté secrétaire de l'État à l'intégration des personnes handicapées. Ça c'est pour l'État. Bon, on compte lui. Au privé, on t'a contacté, Oxfam. Bon, parce que j'ai tout, non? Mais je dis, est-ce que c'est une institution qui a pour. Oui, nous avons avancé pour nous dire, est-ce que je dis, vous sentez en mesure, Koto, si tu as là, si tu as fait appel à Junior et que Junior prêt pour le travail normalement. Oui, nous sommes trop près. Et je suis trop près. Donc on dit nous sommes trop près et je suis trop près. Vous voulez dire qui ça? Frère moi yo prêt. Et même moi prêt. On dit vient avec toute exclusion ça yo. En termes d'alternative, qui ça Junior a fait pour le vivre parce que il parlait le madame comment elle fait pour le payer là, comment elle fait pour le manger, comment elle fait pour se manger habillé, etc. Ok, excusez-moi si je réponds une question ça en deuxième et bon font si approche tout petit. Non seulement mais même en tant que monde qui bourrait d'un potentiel victime d'en forme d'exclusion, de stigmatisation. Et bien entendu, je pense qu'on va poser une question, ça, une question qui vient après, même si tout fait après ça. Nous avons décidé, en quelque sorte, de faire une institution. Vous comprenez? Pour nous capables de parler de la situation, ça peut-être parce que nous avons venu un petit peu sur ça. Bien. Alors, c'est une bonne question. Hein? Et qui ça, Junior, fait pour lui capable de vivre? Zanmi mbal zo bagalal la tout chaud et moun k ap gade yo sou c'est humain sou c'est citoyen sou c'est sou gen vie si bon Dieu bon souffle le bon de Dieu ça doit interpeller conscience mon cher depuis l'am fini faut pas qu'il foyer sur le plan éducatif qui va aboutir m capable dire mon doctorat et sou demande qui doctorat lié m capable dire mon cher mon doctorat qui relé chôme écologie. Bon, par contre, si je me fais, ouais. Son ex, c'est ça me fait, c'est ça me gagne. C'est un chômeur perpétuel éternel. Et donc, et ça qu'on est, il qu'on fait me crier, verser des larmes, parce que les formes de ça, tout, nous c'est humain, nous c'est haïtien, monsieur, il fait tentative plusieurs formes, monsieur. Bah qu'on est si peut-être nous t'a posé une question ça. Allez, bon fond bah. Chômeur que mieux. Bah imagine que au pas travail. Madame petite pour bail, manger chaque jour, caille pour payer. Famille élargie, frères, sœurs. Sous contour mon cher Bagaladu. Et on fait plusieurs tentatives déjà. Excusez-moi pour me tuer tête. Pour me tuer tête parce que m'en de travail, m'a jeune travail. M'essayer. M'pas capable passer. Que ce soit dans l'État, que ce soit dans le public, alors privé, excusez, et l'État et public et privé etc. M'pas jeune. Et moi fais effort. Et ça doit là me fait tentative même demander des institutions prêter corps comme ta commence son activité encore c'est refus donc fait tentative dit suite parce que me pensé que bagaille est fini tout est fini parce que handicapé ou bien madame ou bien petite pas qu'à jeune rien. Imaginons que les madames levées le matin, les petites levées le matin, faut le manger,
les soeurs, frères, maman. Mon cher, me fait tentative plusieurs fois pour me tuer. Parce que je me dépasse toute la vie. Mais quand il y a un dit que au pas de travail, au fin de la tentative, malheureusement, on pas réussi. Mais un peu mon ami, qui Jean Junior fait pour manger, mais également madame, mes petites lits, etc. Qui bon jeune moyen pour vivre? Ok. Mon cher, l'aime l'école. Parce que forme de ça, nous faisons études nous dans Dieu. Très dur, dans douleur. Imaginons faire journée avec deux pains, un grain de pain. Il faut étudier, il faut bailler moyenne, il faut bailler note, bonne note. Moi, j'ai des amis que pendant de l'école, et l'engain, nous partageons avec eux. Parce que si côté de l'école, on apprend nous ça. Le pur socialisme. Comme un accord, vivre avec le monde, nous apprenons nous ça. Et là, nous gagnons, nous partageons avec ça. Moi, ce qui fait que tout au long de la vie, les amis que nous rencontrons, parce que la vie, c'est la ronde, la terre ronde, c'est la rondeur de la terre, mais la vie est ronde tout parce que son forme, quel que soit où passer là, ne passer là, nous avons rencontré. Et bien, si nous rencontrons, nous passer là, les amis passer là, et nous rencontrer quelques amis parfois. Ça cap gérer nos 1000 gouttes parfois, pas chaque jour. Donc, imaginez, ça cap gérer 250 gouttes. Parfois, tout les cas arrivés, 4 ou madame moun, ou adresse moun, après tant de refus, bon. Là, après, je fais tentative pour me suicider tête, parce que je pensais que la vie finie. Et puis, madame moi, je me remonte moralement, quelques amis. Et même tout me travaille le mois la caille moi. Le mois dans le sens que pour me réconforter, parce que Haïti son lutte. Nous avons décidé, même personnellement, de mettre sur pied une institution qui est capable de venir faire un plaidoyer. Faire un plaidoyer pour l'entité sociale. Ça. Parce que non seulement victimes, il y a un paquet d'autres handicapés tout, qui dans des situations qui puis mal passer, sincèrement. Nous te mettons une institution qui est capable de permettre que justement nous pallier à la situation. Si c'est pour projet, nous avons un projet. Mais même personnellement, nous avons un projet pour mettre sur pied un business. Alors qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Premièrement, c'est un business bureau, je vais vous détailler ça, bureau d'échange. Premièrement. Deuxièmement, l'intention de mettre un bureau d'assurance sur pied qui va permettre que les gens handicapés aient un problème, ils sont capables de venir côté bureau. Ça. Vous comprenez bien ça, Mme Doula, parce que ça que moi, ouais, quand il y a un handicapé qui mourit, est-ce que vous comprenez? Par handicapé qui gagne. Mon handicapé qui mourit, et malheureusement, il n'y a pas de moyen soit peut-être capable de faire funérailles. Et fin de faire funérailles, la vie après, parce que les gens qui mourir, sont circonstances immédiates. Maintenant, après circonstances immédiates, là, tu as des choses qui font. Nous pensons sur ça. Mets ton bureau d'assurance sous pied. Est-ce que nous commençons déjà timidement? Mais forme du tout encore la difficulté de ce sujet. Mettez des institutions sous pied qui sont capables non seulement de générer moyens pour capable vivre avec la famille, mais également générer moyens tout qui permettent que l'autre monde vive qui dans la même situation de handicap. Alors ça nous était projeté, c'était mettre quelques bureaux, la sphère, etc., bureau d'assurance sous pied. Ça c'est un projet qui est un petit peu grand, qui est gros. Parce qu'on est que en Haïti, nous connaissons comment pays aller. Et même personnellement, je n'ai rien en même. Mais ça c'est le petit A, le volet A de projet A. Mais l'important, c'est la forme vive. Eh bien,
ça qui arrive tout. Mais ça doit arriver. Et ça capable tout que, parce que nous-mêmes, nous ne nous pas seulement penser, oh, nous penser, parce que le principe de vie, c'est de commencer plus petit pour venir et aller plus haut. Donc, il y a d'autres bagages que je suis capable de faire. Madame, moi, capable de faire, famille, capable de faire. Par exemple, on dit dégager nous nos marchés. Je suis capable de faire ça. Comprenez bien ça, Mme Dola. Vendre bagayo comme si moi, épicerie, vendre nos marchés, etc. Nous sommes capables de faire ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons commencé bas. Parce que l'important, c'est nous de vivre. C'est vrai que mettre institution, bureau de transfert là, oui. Bureau d'assurance, dit bon, mais si nous avons des moyens, comprenez bien, si nous avons des moyens, Haïti pour avoir des moyens, il faut vivre avec. Le plan B, c'est justement, jeune et aussi petit que lié, comprenez bien ça, Mme Dola, oui, aller dans le marché, ça arrive que pendant que nous jeunes si dégagés dans le marché, nous disons marché, nous pensons plus ou moins, nous estimons qu'il est plus bas, et il y a l'autre moyen, nous estimons que justement, nous sommes capables d'entrer là-dedans, qui permettre que nous vivons vers et mettre sous pied soit bureau de transfert là ou bien et compagnie bien bureau d'assurance. Il y a un message pour l'État pays. Message que m'dame bay pour l'État pays. M'dame mande l'État pays. S'il vous plaît, yon moun kap vive avec un handicap, premièrement, ils sont citoyens haïtiens. Eh bien, par le fait qu'ils sont citoyens haïtiens, ils doivent jouer un traitement qui fait que ils sont citoyens haïtiens. Il y a un qui handicap, ça pas ta de yon défaut, ça pas ta de yon jouement, ça pas ta de yon peine pour lui, tout au contraire, ça pas ta de yon moyen pour lui exhiber, lui un moyen pour le paraître. Parce que il y a un qui handicapé, c'est un qui bourré à potentiel, c'est un qui bourré à capacité. Si on qui bourré avec sérénité, moun sa yo honnête. Et maintenant de l'État pays, secrétaire l'État, prochain président qui vient là, actuel premier ministre là, pour ta vie je garde moun sa yo. Maintenant de secteur privé là, l'homme moun handicapé vient faire demande, vient demander job, vient demander travail. Pas garder sous capacité physique. Non. C'est garder comment le capable de rendre l'institution plus productive. Comment le capable d'aider l'institution. Et dans ça, le pas capable, je pense en tant qu'institution, nous avons encadré pour nous faire le plus performant. Merci, Génial. Merci, Abel.